la tombe de Jésus hostie. Pensée de sœur Saint-Vincent de Paul, mise en vers à sa demande. Je ne suis qu'un grain de poussière, mais je veux fixer mon séjour dans les ombres du sanctuaire avec le prisonnier d'amour. Vers l'hostie mon âme aspire. Je l'aime et ne veux rien de plus. C'est le Dieu caché qui m'attire. Je suis la tombe de Jésus. Je veux rester dans l'ignorance, dans l'oubli de tout le créé, consolé par mon silence, l'hôte du ciboire sacré. Je voudrais sauver les âmes, des pécheurs faire des élus, d'un apôtre donner les flammes à votre tombe de Jésus. Si je suis méprisé du monde, s'il me regarde comme un rien, une paix divine m'inonde, car j'ai l'hostie pour mon soutien. Quand je m'approche du ciboire, tous mes soupirs sont entendus. Être un néant, voilà ma gloire. Je suis la tombe de Jésus. Parfois, lorsque le ciel est sombre, la tombe ne pouvant voler, il aime, se cachant dans l'ombre, à la porte d'or s'attacher. Alors la divine lumière, qui réjouit tous les élus, vient réchauffer sur cette terre la pauvre tombe de Jésus. Sous les chauds rayons de la grâce, la tombe devient scintillant. Quand la légère brise passe, il se balance doucement. Ah, quel ineffable délice, quel bienfait n'a-t-il pas reçu? Jusqu'auprès de l'hostie se glisse la pauvre tombe de Jésus. Se consumant près de l'hostie, dans le tabernacle d'amour, ainsi s'écoulera ma vie, en attendant le dernier jour. Quand l'épreuve sera finie, volante au séjour des élus, la tombe de l'Eucharistie brillera près de son Jésus.